Bonjour, rebonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à cette deuxième table ronde dans ce colloque Réussir la transition vers le hors-site. Il y a un instant, on a vu des aménageurs, des architectes qui nous ont parlé des freins pour ce hors-site, de ce qu'on pouvait faire pour la filière, comment l'améliorer. On va désormais demander sur cette deuxième table ronde aux industriels et aux promoteurs qui, eux, font du hors-site au quotidien, comment développer l'offre, les clés de la réussite. Voilà, donc n'hésitez pas à vous avancer. Il reste des places devant pour ceux qui hésitent encore. Je vous présente nos panélistes du jour. On est ravis d'accueillir Julien Pemzec. Bonjour Julien. Bonjour. Directeur général de Woodeum Piccimo. À vos côtés, Marc Doma. Marc, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général promotion et services chez GA Smart Building. Et je crois que le bâtiment de GA, vous êtes dans un démonstrateur, hein, pratiquement, c'est ça ? Oui, tout à fait. On a livré en début d'année notre siège à Toulouse qui s'appelle Niwa et qui est effectivement un démonstrateur de tous nos différents modes de production. Voilà, c'était tellement bien qu'on vous habitait dans ce que vous avez construit. Ah bah, enfin, il manquerait très plus que ça. Luc Lebeau, bonjour. Vous êtes vice-président de Myers Buildtech. Bienvenue à vous. Merci. Et on va se présenter dans un instant. Et à vos côtés, Pascal Chazal, le patron de Zen Modular, entre autres. Bonjour. Et aussi appelé dans le milieu le pape du hors-site. Pascal, on commence avec vous. Alors, on connaît votre activité sur hors-site, le magazine, le site internet. Parlez-nous justement de Zen Modular. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, Zen Modular, en fait, c'est revenir un petit peu à une activité de production. C'est pendant 30 ans, j'ai une activité de production avec Haussabois. Et puis, depuis 10 ans maintenant, je développe l'écosystème du hors-site. Et avec l'écosystème du hors-site, avec le cabinet de conseil, la formation, le magazine, on accompagne le mouvement, les acteurs, on les accompagne pour aller vers le hors-site. Mais je voulais essayer de terminer ma carrière en montrant qu'on pouvait vraiment le faire. Oui. Et donc, j'ai créé Zen Modular. Et Zen Modular, c'est l'idée finalement d'inverser un petit peu le sens du courant. Aujourd'hui, quand on réalise une opération immobilière, eh bien, finalement, le maître d'ouvrage va créer un cahier des charges. Ce cahier des charges, il va le donner à un architecte et l'architecte va concevoir le projet. Et on va avoir un projet spécifique à chaque fois et ça, c'est bien normal. On l'a vu tout à l'heure, il faut rentrer dans des formes urbaines assez complexes parfois. Donc, le bâtiment, c'est un pur prototype à chaque fois. Mais il y a un certain nombre de catégories de bâtiments, notamment tout ce qu'on va appeler les résidences gérées, donc une résidence étudiante, une résidence spécifique, un EHPAD, un hôtel, où on a un élément récurrent qui est la chambre. Et en fait, l'architecte, quand il conçoit la résidence, il va aussi concevoir une chambre qui, à chaque fois, est une chambre prototype. Et quand on cherche à les fabriquer dans les usines, eh ben, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à être performant parce que ça n'a pas été conçu pour être fabriqué en usine. Donc, nous, on a créé Zen Modular et puis on s'est dit, et finalement, et si on crée des chambres pour les étudiants, pour les seniors, pour les hôtels? Et puis, finalement, on crée un catalogue de chambres. Et ce catalogue de chambres, on le propose. Et finalement, l'architecte va venir choisir les chambres qui l'intéressent et l'intégrer sur son plan. Et on pense qu'on va gagner beaucoup en faisant ça. Voilà, le catalogue, effectivement, d'éléments à composer ensuite soi-même. C'est ça. Pour simplifier. Luc Lebeau, un petit mot justement sur votre entreprise, sur Myers Buildtech. Où vous en êtes actuellement? Qu'est-ce que vous faites pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? On est d'abord des industriels, donc on est dans cet enjeu de la fabrication qu'évoquait Pascal à l'instant. On a un site de production actuellement à Rennes où on porte un projet notamment de résidence étudiante. C'est un bon exemple, je rebondirai tout à l'heure à l'occasion de la petite vidéo sur ce que vient de dire Pascal. On est d'abord un opérateur industriel et on a aussi voulu intégrer toute la chaîne de valeur sur la fabrication. On a un cabinet d'architectes, on a un cabinet d'études et d'ingénierie. On a la partie industrielle et on a la partie DETOPC, conduite de chantier. Ce qui fait qu'on est en capacité de pouvoir poser de la conception à la réalisation une offre complète qui plaît plutôt aux bailleurs sociaux, mais qui leur permet aujourd'hui de pouvoir acheter sur catalogue. Et dans les éléments qui font parfois peur, dans les mots du hors-site, la notion de catalogue, la notion de standardisation, la notion de gamme de produits est un élément assez important et qui aujourd'hui doit pouvoir trouver toute sa place. Et on va voir justement comment on surmonte ces fantasmes ou cette peur hein, de certains aménageurs. Marc Doma, directeur donc général promotion et services de GA Smart Building. Un petit mot de GA Smart Building.
Magia, c'est un groupe qui a 150 ans d'existence. Donc on est héritier d'une longue tradition du hors-site. On a aujourd'hui 9 usines avec différents types de process. 3 usines en béton bas carbone, 3 usines en bois. Ossa Bois, dont parlait Pascal à l'instant, a intégré le groupe il y a une petite dizaine d'années. On a une usine en façade alu et une usine aussi en module de traitement d'air. Donc on intègre vraiment la totalité du clos couvert dans nos usines et on assemble ces modes, ces différents Lego, on va dire, pour fabriquer des bâtiments sur mesure la plupart du temps. Et donc évidemment en standardisant l'invisible et en rendant sur mesure le visible. Très bien. Donc on est industriel, oui, entreprise et promoteur. Donc on a vraiment ces trois casquettes-là qui sont disponibles. Les usines vendent à des entreprises, les entreprises vendent à des promoteurs ou en direct à des maîtres d'ouvrage, et le promoteur que je représente également développe des opérations. Voilà, très bien pour cette présentation. Enfin, Julien Pemzek, vous êtes directeur général de Woodeum, Pichimo. Voilà, présentez-nous Woodeum. Oui, bah, Woodeum a été créé il y a 10 ans maintenant, avec l'idée que le sujet de l'empreinte carbone allait devenir un élément essentiel dans l'immobilier. Et on s'est spécialisé dans la construction bas carbone, en utilisant le bois dans le maximum de nos réalisations. Depuis 10 ans, on a réussi à construire un peu plus de 3000 logements qui sont livrés maintenant. On en a au moins autant en développement. Et depuis le début de l'année, on a fusionné cette société avec la société Pitch, d'où ce nom un peu long aujourd'hui, Woodeum Pichimo. Oui, il faut dire les deux à chaque société, fois. Bah, oui, il faut dire les deux. Les deux sont importantes. Et en fait, ça nous a permis, en fait, cette idée de fusion était très simple. C'était plugger le savoir-faire bas carbone développé pendant 10 ans par Woodeum sur une organisation territoriale afin de nous permettre de devenir un promoteur national. Donc c'est chose faite depuis le début de l'année. On peut maintenant agir sur la France entière avec un réseau de 10 agences qui nous permettent de développer ce savoir-faire bas carbone. Et en fait, bah, nous, on n'utilisait pas le mot hors-site au début parce que je sais pas, moi, je suis pas forcément ultra à l'aise avec ce mot hors-site. Je trouve qu'il n'exprime pas forcément grand-chose. Mais pourtant, il est redevenu à la mode là, depuis quelques mois, peut-être un ou deux ans, grâce à l'action de certains dont on a pu écouter les propos là tout à l'heure autour de Stéphane Defay et puis Pierre Polo. Il a redoré son blason. Mais je fais partie des gens qui pensent aussi selon vous. En fait, le plus important n'est pas tellement comment on construit nos bâtiments, mais comment est-ce qu'on va apporter en fait aux utilisateurs finaux. Et donc, leur site, c'est un moyen de gagner de l'efficacité de chantier. Ça doit être aussi forcément un moyen de décarboner notre activité, parce que je rappelle qu'on s'est engagé collectivement à une empreinte carbone nulle, neutre, en 2050, et qu'on est vraiment tout en bas de la montagne là. Donc voilà, il faut que tout ça participe en fait à cet objectif global, avec une finalité qui est le bien-être de nos occupants, que ce soit pour faire des bureaux ou du logement. Alors, je profite justement de votre venue, les uns et les autres, pour élargir un petit peu. La promotion immobilière, on le sait, est en difficulté, voire en crise pour certains. Elle doit en tout cas se réinventer. Est-ce que le hors-site, c'est un moyen justement de mieux construire avec cette dimension écologique et surtout peut-être moins cher demain ? Commencez avec vous. Il faut que je réponde. Le hors-site, c'est... Le hors-site, c'est forcément un moyen de gagner de l'efficacité de chantier. En fait, on a eu un problème dans la construction et dans l'immobilier de manière générale, c'est que le temps coûtait pas grand-chose, parce que comme l'argent était quasiment gratuit, qu'un chantier dure 18 mois ou 2 ans et demi, c'était à peu près la même histoire. Ce qui comptait à la fin, c'était le résultat financier, le projet réalisé. Là, en fait, on est dans un moment où l'argent coûte à nouveau cher, hein, puisque il coûte à peu près 3% du chiffre d'affaires d'un bilan de promotion immobilière, donc c'est suffisamment pour qu'on s'y intéresse vraiment sensiblement. Et là, bah, en fait, le hors-site devient un moyen très puissant d'accélérer la réalisation des chantiers. Et ça, nous, on a pu le mesurer sur les chantiers. Enfin, quand on dit qu'on monte un étage par semaine au lieu d'un étage par mois, bah, en fait, ça fait qu'à la fin, on a gagné 4 mois, 5 mois, 6 mois de chantier.
Et ça, c'est énorme. C'est énorme parce que ça fait des gens qui rentrent beaucoup plus tôt dans leur logement et donc c'est satisfaisant pour eux. Ça fait des chantiers qui sont raccourcis. Ça fait beaucoup moins de nuisances aussi parce que là aussi, le hors-site, c'est un élément important. C'est que c'est de plus en plus dur aujourd'hui de sortir un projet immobilier. C'est vrai. Les maires ont du mal à délivrer des permis parce que c'est un nid à problème, pour être poli, parce que il y a toujours des oppositions pour des projets immobiliers, qu'elles soient politiques, locales, le riverain. En fait, globalement, tout le monde comprend qu'on manque de logements partout en France, qu'il faut construire plus, mais s'il vous plaît, pas devant chez moi, quoi. Ouais. Donc, pas dans mon jardin. Non. Donc finalement, quand on fait du hors-site, eh ben, en fait, là, ça participe à la création d'un nouveau récit de projet. On raconte un projet qui n'a rien à voir avec les autres. Ça ne va pas être la myriade de toupies de béton qui vont s'enchaîner heure par heure avec toutes les saletés générées. On y apporte une portée écologique. On y apporte aussi une grande portée d'innovation. Et ça, finalement, ça aide le collectif à s'appréhender le projet, à en avoir envie. Et donc, c'est en ça que ça devient un élément en fait, de persuasion important. Marc Doma, vous souscrivez à ce qui vient d'être dit? Oui, parfaitement. Je crois que la crise qu'on traverse dans l'immobilier résidentiel comme dans l'immobilier d'entreprise, c'est une crise de système. Hein. Le coût de l'argent, c'est aussi une crise qui est liée à la productivité des chantiers. Julien en parlait à l'instant. Hein. L'industrie immobilière, c'est une industrie qui n'a quasiment pas évolué. La productivité sur les chantiers a très peu progressé. Les coûts de construction vont plus vite que l'inflation. En Europe et aux États-Unis, hein, et donc évidemment, on n'arrive pas à progresser. Et l'industrialisation, le hors-site, est un moyen, peut-être, en tout cas le seul que moi je vois, mais peut-être parce que j'ai un prisme particulier, est un moyen de sortir par le haut de cette crise et de réinventer la façon de développer des immeubles, que ce soit du neuf ou de la rénovation, puisqu'on peut aussi faire du hors-site en rénovation. On peut faire de la rénovation de façade, on peut pluguer des modules à l'intérieur de bâtiments existants. La transformation bureau-logement est un vrai sujet pour le hors-site. L'extension, surélévation, ce genre de sujets sont aussi des très bons moyens de faire du hors-site. Donc le hors-site, pour nous, c'est un moyen. La construction doit faire sa révolution. Et pour nous, le hors-site, c'est le sujet. Hein. Luc Lebeau. Alors je crois qu'avec vous, on va, si vous voulez regarder une petite vidéo, on va passer rapidement, mais on y reviendra, tout ce qui est OEDEUM, on va revenir, et vous allez nous parler de constellation. On dit qu'une image vaut mille mots, mais une vidéo c'est pas mal aussi. C'est ça, on peut éventuellement baisser le son, là, ça va être une illustration de ce que viennent de dire mes deux prédécesseurs sur les enjeux. On a beaucoup évoqué le gain de temps qui est réel. Vous allez voir sur le site sur lequel on est et où on assemble actuellement. Donc là, on est dans l'usine. Est dans l'usine. On vient de voir la partie 2D, donc où on fabrique les murs. Là, c'est la partie 3D. La chambre qui quitte l'usine est totalement terminée. À l'intérieur, tout est fait, du sol au plafond, cuisine, salle de bain. C'est la promesse du hors-site. Hein. Si on n'a plus de réserve, ceux qui ont déjà conduit des opérations de promotion immobilière, on voit bien les délais de fabrication, mais on voit aussi les délais au moment des réserves à la fin où il y a tout un tas de reprises. Et vous voyez ici un bâtiment notamment de 5 étages. Alors je crois comprendre qu'on ne peut pas faire de pause sur la dernière image, mais là, on est dans une configuration où lorsque vous posez un bâtiment, celui que vous venez de voir, on a commencé la pose des modules le 16 juillet. On a fini la pose du bâtiment de 5 étages le 26 juillet. Voilà, on pose un bâtiment, celui que vous voyez à gauche qui est là. Celui-là, il a été posé en 10 jours calendaires. On n'a pas posé le week-end. Donc en fait, ça a été posé en moins de 9 jours. Donc vous êtes capable de poser un bâtiment de 5 étages avec 60 chambres totalement terminées. C'est du plug and play. On évoquait tout à l'heure les Lego. Et donc derrière, évidemment, il faut brancher. Hein. On branche l'ensemble des fluides, canalisation, eau et aération. Mais la promesse du hors-site, c'est ça. Donc c'est d'abord une promesse du mieux. Mieux en carbone, Julien l'a évoqué tout à l'heure. Mieux en rapidité, les délais sur les chantiers. Ce qui fait, pour répondre à une partie de la question sur la partie financière, évidemment que quand vous avez des chantiers moins longs, vous avez moins de temps d'immobilisation. Et les promoteurs aiment beaucoup à parler de TRI, au-delà de la marge, et être sûr que ça leur coûte moins à la fin. Et l'enjeu ici, c'est y compris d'aller chercher
une fabrication moins chère. Et c'est là qu'on commence à avoir quelques mots qui parfois font peur, ceux de standardisation. Et là, on a un vrai sujet. C'est que le bâtiment tel que vous venez de le voir là, vous avez vu que celui qui était à gauche est complètement terminé. Je mets quiconque au défi en le voyant de se douter que c'est de la construction modulaire, que c'est à 95% biosourcé, qu'on est avec un impact carbone qui est 40% inférieur à celui d'un bâtiment traditionnel. Donc voilà, le pari, il est réussi. Le pari qu'il faut qu'on transforme, nous tous dans la filière, c'est le pari du prix. C'est la manière dont on va réussir à le produire et demain à le vendre à nos clients moins cher que la construction traditionnelle. C'est encore un pari à réaliser, c'est le pari de toute la filière. Je salue Céline Beaujolin, la déléguée générale de la filière hors site, qui contribue largement avec les architectes, avec les promoteurs, avec les bailleurs, avec l'ensemble de la filière, les industriels, les AMO, les bureaux d'études, à améliorer. Aujourd'hui, on commence à venir challenger. Et quand vous sortez un bâtiment en RE 2020-2028 avec du modulaire bois, aujourd'hui, vous avez les mêmes prix que du traditionnel qui est aussi aux normes RE 2020-2028. Oui. Alors, merci d'avoir partagé cette vidéo. Je trouve assez édifiante pour le coup, puisqu'on voit justement ces briques, vous le disiez, un petit peu comme des Lego. Avec cet assemblage, on comprend qu'il va être extrêmement rapide, qu'il y aura évidemment beaucoup moins de réserves. En fait, après, il faut rajouter les fluides et puis le bâtiment, allez, peut-être est à 90% terminé, c'est ça ? Alors, on a dit qu'on se disait tout aujourd'hui. Oui. Donc, c'est pas toujours aussi simple. Ah. Il faut être très transparent. Mes voisins connaissent parfaitement ces dossiers-là. Ce projet, il avait d'abord été dessiné par un architecte en traditionnel. Donc, il avait été prévu pour être fait tout en béton. Et finalement, avec les deux opérateurs, avec le bailleur, avec le promoteur, on a décidé de réduire l'empreinte carbone et de passer en bois. Et quand on prend cette décision, à un moment donné, il faut pouvoir redessiner. Et quand vous avez déjà dessiné en traditionnel et que vous voulez passer en hors-site, vous n'avez pas le gain naturel que vous faites quand vous dessinez dès le début. Et c'est vrai que Pascal l'évoquait tout à l'heure, à un moment donné, il faut pouvoir avoir sa chambre, la donner à l'architecte. Un architecte, aujourd'hui, il sait pertinemment tenir compte d'une cage d'ascenseur qui doit plomber, qui a une largeur, une hauteur, une profondeur. Eh bien, les modules, c'est exactement pareil. Voilà, on fonctionne exactement de la même manière. Ça n'empêche surtout pas de faire de l'architecture et de l'architecture de qualité. Je pense qu'on vient de le voir là. Et derrière, il faut pouvoir le penser. Et c'est le maître mot. Quand on veut faire du bois et du hors-site, il faut le penser dès le début du projet. Et oui, donc on va voir justement dans la suite ce qui peut freiner et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour mieux organiser cette filière. Pascal, tout à l'heure, vous nous avez parlé d'un catalogue. Est-ce que, voilà, pour ceux qui regardent la vidéo, on se dit, mais est-ce qu'il y aura un catalogue comme ça de briques, de Lego, avec clé en main finalement, qu'on pourrait assembler et faire demain des constructions beaucoup plus rapidement ? Oui, alors absolument, c'est ce en quoi on croit. Alors bien sûr, on ne va pas commencer par les choses les plus difficiles. Par exemple, aujourd'hui, on ne s'intéresse pas du tout à la promotion immobilière et à la vente en accession, parce qu'on a tendance à penser qu'il faut un appartement différent par client. Et puis s'allier aux contraintes urbanistiques, c'est ultra complexe. Par contre, il y a plein de logements aujourd'hui dont on a besoin, qui sont beaucoup plus répétitifs. Par exemple, si on prend l'exemple de la résidence étudiant, vous savez qu'aujourd'hui, en France, on manque de 600 000 logements étudiants. Quand on a une chambre qui se libère dans un CROUS, on a en moyenne en France 16 étudiants en compétition. Ça veut dire qu'il y en a 15 qui ne seront pas logés. Peut-être certains vont pouvoir aller dans le privé s'ils sont un petit peu plus fortunés, puis d'autres, ils ne pourront peut-être juste pas faire d'études. Donc, on a un besoin gigantesque de chambres étudiants. Et bien, nous, on s'est intéressé à la chambre étudiant, et donc on a essayé de concevoir la chambre étudiant idéale pour un étudiant aujourd'hui en 2024. On s'est rendu compte, par exemple, que les étudiants aujourd'hui, ils cuisinent, phénomène Top Chef, c'est aussi, on a envie de manger mieux, etc. Et bien, donc, on leur a fait une très belle cuisine. Et donc, cette chambre, on a fait un gros travail de conception, centré sur les usages. On s'intéresse d'abord aux étudiants qui vont vivre dedans. Ensuite, à l'exploitant, celui qui va devoir gérer la résidence, lui faciliter la tâche, faire que les bâtiments vont coûter moins cher à explorer, à exploiter. Et puis, finalement, cette chambre, eh bien, on va la donner à l'architecte pour qu'il puisse jouer avec. Et quelque part, on appelle ça, nous, du modulaire hybride. C'est-à-dire qu'il va faire il va utiliser les chambres, mais le reste du bâtiment, il fait comme il a envie. S'il veut faire du béton, il fait du béton. S'il veut faire du bois, il fait du bois. Et cette mixité-là, elle est très intéressante parce que finalement, l'élément répétitif, comme il est venu le chercher sur notre catalogue, on va pouvoir le produire d'une manière vraiment industrielle. Et là, la promesse, c'est vraiment d'améliorer la qualité et le prix. Et puis le reste du bâtiment va être réalisé par des entreprises tout à fait classiques et traditionnelles. Et en fait, l'alliance des deux, elle est très puissante. On montre par exemple qu'on est capable de diviser par deux le temps de réalisation. On a des exemples nombreux parmi nos partenaires qui ont réussi à gagner par exemple un an sur la livraison d'un hôtel
en plein Paris ou en plein Amsterdam. Et un an de gains, d'abord de chantier, c'est un an de nuisance en moins. On divise le nombre de transports par deux au moins. Et puis, c'est un an d'exploitation en plus. Et au coût de l'argent aujourd'hui, je peux vous assurer que ça fait beaucoup d'argent. Et puis surtout, on va améliorer la qualité. Et là, aujourd'hui, nous, on a rencontré beaucoup, beaucoup d'acteurs qui sont des exploitants de résidences étudiants et qui nous disent, d'un air désespéré, quand on nous livre aujourd'hui une résidence, oui, eh bien, on a quelquefois jusqu'à 20, voire 25 % des chambres qu'on ne peut pas louer le jour de la livraison parce qu'elles ne sont pas finies. Il y a encore des plombiers, des électriciens, des choses mal faites à refaire, etc. On a aujourd'hui un manque cruel de compétences et on n'arrive donc plus à réaliser des choses sur le chantier. Donc, du coup, finalement, être capable de fabriquer en usine, ça va donner un bol d'oxygène formidable au chantier. Chantier, c'est un endroit sous tension, monstrueux. Il y a énormément d'acteurs, il y a énormément de tâches, il y a énormément de flux, il y a énormément d'outils. Ben, finalement, si je réalise les chambres de ma résidence étudiante, je vais peut-être enlever 30 % de la résidence. Je vais les faire dans une usine, bien tranquillement, avec des opérateurs qui vont entrer dans de bonnes conditions. Et ça va donner un fichu bol d'oxygène aux équipes de chantier qui vont pouvoir travailler beaucoup plus sereinement. Bien sûr. Marc Demas, je voudrais vous entendre justement sur... quand on entend les qualités intrinsèques, la rapidité, les coûts peut-être équivalents aujourd'hui, mais on sent bien que ça peut diminuer. Et puis le coût se compense par le gain de temps, donc le gain d'argent. On se dit, mais pourquoi finalement on ne va pas plus vite ? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ? Quels sont les freins à l'adoption un peu plus massive de ce mode de construction ? Bah, je pense qu'on ne va pas plus vite parce que le hors-site a une image des années 70, oui, qui perdure un petit peu, même si ça s'efface largement. Le bois apporte beaucoup de modernité à la dimension hors-site, et ça, je crois que c'est un vrai succès de la filière sur ce point de vue. On l'a dit aussi, l'ensemble des acteurs qui communiquent sur ce sujet pour montrer des projets de qualité sur mesure réalisés sur le hors-site. Je crois que c'est aussi fait très intelligemment avec les architectes. On a besoin des architectes pour démontrer qu'on peut faire de la très belle architecture en hors-site, parce que c'est des idées reçues, en fait. On a besoin d'enfoncer ces portes pour casser les idées reçues. Donc ça, c'est le premier sujet. La massification de la commande, la massification des modes de développement, mettre très tôt les architectes, les entreprises ensemble pour développer des projets main dans la main. Et très tôt, attendez, juste une seconde. Très tôt, c'est quoi ? Très tôt, c'est en général avant le permis. Avant le permis. Ouais. Parce qu'on ne dessine pas un bâtiment hors site et on ne dépose pas un permis s'il n'est pas prévu en hors site, ou alors il faut le reprendre et on ne tire pas la quintessence du hors site quand on reprend un projet alors que le permis est déposé. Ou alors il faut refaire un permis et on a perdu un tour. Donc il faut effectivement faire évoluer ça, y compris en commande publique, où par nature, marier une entreprise et un architecte pour le permis, c'est plus rare, hein, puisqu'il faut faire de la conception-construction. On n'est pas dans les lois de commande publique classiques. Mais voilà, je crois que c'est surtout ça qu'il faut faire évoluer. Et puis démontrer par l'exemple, on le fait tous les jours, et plus il y en aura, plus ça fonctionnera. Nous, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les clients de nos clients, on a démarré le hors-site dans les années 70. Hein, donc on a des bâtiments qui vivent depuis quelques années. Donc les clients de nos clients sont les investisseurs qui rachètent des immeubles qui ont été livrés il y a déjà 10 ou 20 ans. Oui. Ces investisseurs cotent les bâtiments GA d'une meilleure façon qu'un bâtiment standard. Pourquoi ? Parce que la qualité de livraison et la qualité de production impliquent qu'il y a très peu d'interventions en décennale et très peu de maintenance. Donc c'est un gage de la très grande qualité de réalisation en usine. Oui, c'est important à l'heure où on parle justement de valeur verte des bâtiments, où c'est en train de bouger du côté des financiers pour revoir leur parc et le réévaluer, on sent que c'est très important. Julien Pemzin, justement, je pense, on a des images aussi de vos bâtiments. Tiens, il y en a un qui est assez emblématique. En tout cas, moi, je passe devant, pas tous les jours, mais presque. On ne peut pas vous rater. Alors là, vous voyez, il y a Woodeum, mais il n'y a pas Pichimo. Ils sont tout petits, peut-être, quelque part. Expliquez-nous qu'est-ce qu'on voit à l'écran. Pour ça, c'est le projet Ostas, c'est un projet
qui a été inventé là, dans le cadre de Inventons la métropole. Donc on est au-dessus du périphérique parisien. Et on a construit là un foyer pour jeunes travailleurs de 115 chambres. Donc ça, c'est le bâtiment sur lequel il est écrit Woodeum. Et puis à droite, on voit un autre bâtiment qui attend là, sa vêture, qui est une résidence pour étudiants. Donc là, bah, on l'a construit en structure bois pour plusieurs raisons. La première, c'était bah, l'engagement environnemental qu'on voulait porter au travers de ces deux bâtiments. Et la deuxième, c'est qu'on n'aurait pas pu la construire différemment, notamment le bâtiment au-dessus du périphérique, pour des questions de poids. Et là, en fait, grâce au mode constructif qu'on a utilisé, donc là, c'est de la construction 2D. Ce n'est pas de la 3D. Je vous raconterai l'histoire de la 3D sur ce bâtiment. C'est de la 2D. On a choisi le bois pour être capable de diviser en fait, par 3 le poids global de ce bâtiment. Parce que, et si on l'avait construit en béton, sur cette dalle existante du périphérique, on aurait pu dessiner que 3 étages. Donc là, on en a fait 8, et c'est ce qui nous a permis en fait, de trouver un modèle économique pour cette opération. Et alors, sur ce projet... Alors, 2D versus 3D. On n'a pas été jusqu'à la 3D. On s'est rencontrés d'ailleurs à une époque avec Pascal, parce que on se disait quand même, il est très tramé, ce bâtiment, il a des caractéristiques. Mais le coût était parti. Le coût était parti, et on a réalisé que, sans vraiment le vouloir, même non, en ne le voulant pas, on avait dessiné 113 salles de bain toutes différentes. Il n'y en avait pas une seule qui se ressemblait parce que, en fait, bah, il avait été conçu malgré tout avec nos contraintes de structure bois, de rigueur de dessin qu'on peut comprendre là. Mais on n'avait pas été jusqu'au bout. Et en fait, et pourtant je dis ça, parce qu'il faut avoir des retours d'expérience aussi. Il y a un vrai sujet qu'il faut comprendre, c'est que pendant des années, on a imaginé des bâtiments en dessinant d'abord, si je fais l'analogie avec l'automobile, d'abord la carrosserie, et ensuite on confiait le moteur et le châssis aux entreprises, qui faisaient ce qu'elles voulaient, globalement, tant que la carrosserie était au rendez-vous. Là, en fait, c'est complètement différent. Il faut partir d'un châssis et d'un moteur existant, et adapter la carrosserie. Et ça ne veut pas dire qu'il faut faire des sacrifices, parce que le hors-site ne marchera pas s'il est synonyme de sacrifices architecturaux. Parce que je reviens à ce que j'ai dit sur les maires, et sur les riverains, et sur les habitants. Il faut faire des belles choses, sinon on ne fera pas bien de projets. Les projets ne verront pas le jour. Et donc, mais belles choses, ce n'est pas opposé à fabrication 2D, 3D. En fait, c'est juste une appréhension différente de la méthode de construction. Alors j'ai une question, puisque là c'est au-dessus du périphérique, donc c'est un tout petit segment. Si on se dit qu'on continue à couvrir le périphérique, comme on a fait sur les voies ferrées par exemple dans le 13e arrondissement, qui est plutôt réussi, comment vous feriez aujourd'hui ? On vous dit il faut faire un hors-site, par quoi on commence ? Est-ce qu'on refait 113 salles de bain différentes, ou est-ce qu'on essaye d'adapter si les voir justement ça, en catalogue ? Évidemment que non, on s'adaptera. D'ailleurs, on aura fait gagner du temps à plein de monde. Et puis moi, c'est vrai que la promesse du hors-site sans réserve, on en rêve, nous promoteurs, on en rêve. Parce qu'en fait, c'est une vraie souffrance pour nous, la phase de livraison avec les acquéreurs qui attendent généralement quand même un an et demi d'emménager, suivi de la cohabitation entre quelqu'un qui vit dans son logement et les levées de réserve. C'est, pour nous, c'est un enfer à gérer. Donc évidemment que l'objectif zéro réserve, on ne peut que le partager, et ça fait partie des promesses hors site. Alors comment est-ce qu'on ferait ? D'abord, je pense que les catalogues, comme on dit, là, sont en train de s'étoffer. Et c'est nécessaire aussi, parce que je reviens aux clients. On n'a pas envie de faire de sacrifices. On a envie que ça soit beau. On n'a pas envie de salle de bain d'EHPAD quand on livre des logements pour étudiants ou des logements pour des familles. On veut que tout ça transpire la modernité en fait, que les projets doivent porter. Donc les catalogues doivent progresser encore. Et après, bah, y a ce jeu avec l'architecte où effectivement il y a une rigueur de trait au début. En tout cas, utiliser ce qui est sur étagère. À utiliser quoi. Et je ne sais pas si on va montrer un autre projet ou je ne sais plus si on a mis la photo. On va juste faire réagir juste après. Ouais. Donc okay. En tout cas, on peut, ça existe, hein, c'est pas une maquette. Si vous allez sur le périph, en plus
Depuis aujourd'hui, on peut passer encore plus tranquillement devant puisque c'est limité à 50 km/h. Exactement. Donc vous pourrez l'admirer. Réaction de Lucas, ce qui vient d'être dit, Luc Lebeau. Parce que c'est vrai que c'est bien de parler, on se dit la vérité sur ce plateau, des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. C'est vrai qu'il y a des manières de faire, il faut s'adapter. Il y a peut-être parfois des déconvenus parce que c'est le réel, parce que c'est la réalité tout simplement. C'est tout le travail de conviction qu'il faut qu'on porte. Et merci de cette table ronde parce que je crois qu'il y contribue. Ici à Batimat, on va avoir des salons sur l'immobilier bas carbone qui vont arriver. On a de vrais enjeux aujourd'hui de continuer à faire ce travail d'évangélisation et d'accompagner les uns et les autres à la compréhension. Dessiner un projet, c'est aussi comprendre cette partie industrielle. Avoir un architecte qui, à un moment donné, a décidé, avant l'APS, l'avant-projet sommaire, de se dire si je dois faire du modulaire, qu'est-ce que l'industrie peut me produire ? Alors, quand on est sur de la 2D, c'est assez facile parce qu'on dessine un peu tout ce qu'on veut. Quand on est sur de la 3D, on a d'autres contraintes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de qualité architecturale. Mais par contre, on a énormément d'autres avantages. Et donc, c'est tout l'enjeu aujourd'hui de pouvoir pousser la filière à aller jusqu'au bout. Julien évoquait à l'instant les enjeux de la gamme produit. Et évidemment que les promoteurs demandent une gamme qui soit la plus large possible. Mais il faut quand même avoir en tête que si demain, on veut aller tirer les prix, il faut vraiment avoir une forme de standardisation et qu'il y a un équilibre à trouver. La production de logements en France, elle est malheureusement en dessous de 300 000 logements cette année. Mise en chantier, hein, je ne parle pas de permis déposé, mise en chantier, 284 000, certainement un peu plus bas en 2024. On sait que le besoin est plutôt entre 400 et 450 000. Mais même sur les 300 000, si demain on se dit que leur site doit prendre, selon les études, ce qu'on a travaillé dans la filière, 5, 10, 15% demain de la construction, ça laisse largement de la place pour faire du traditionnel sur le reste et avoir quand même une gamme. Et à un moment donné, la gamme, elle permet de tirer les prix. Parce que si vous devez redessiner à chaque fois, c'est l'enjeu de redessiner la salle de bain, c'est l'enjeu de redessiner la résidence étudiante. Et sur le logement, ça fonctionne. Nous, on a déjà, avec des bailleurs sociaux, des programmes de bâtiments collectifs qui vont de 2 à 7 étages et sur lesquels, à partir du moment où vous avez décidé avec le bailleur qu'il faudrait des T2, des T3, des T4, vous les positionnez et vous n'avez aucune difficulté à sortir un immeuble extrêmement classique avec un an de moins de chantier, avec un bilan carbone qui est exceptionnel. Un des programmes qu'on va sortir à Angers, on est en RE 2020 2031 parce qu'on a de la géothermie et du photovoltaïque. On passe les seuils de la RE 2020 2028. Donc on est vraiment dans ce qui se fait de mieux aujourd'hui d'un point de vue environnemental. On gagne du temps sur le chantier et on peut aller chercher les prix. Oui. Et c'est quand même essentiel. Qu'à un moment donné, grâce à la gamme, parce que s'il faut tout redessiner à chaque fois, vous faites retravailler vos bureaux d'études sur l'outil de production. Ça reste une usine, hein. À un moment donné, on standardise, on industrialise, mais il faut tout repartir, reconfigurer, reformer les compagnons, parce que tout ne se fait pas en robotisé et loin de là. Et donc, on a un vrai enjeu d'avoir aujourd'hui une gamme. Moi, je l'assume, je pense qu'il faut le porter. Il y a des produits qui seront standardisés, il y a des produits qui seront faits avec la même qualité et qui seront faits aux clients, mais ils seront plus chers. Et les promoteurs, à un moment donné, c'est normal, ils feront leur choix entre ces deux gammes-là. Oui, sur la RE, justement, la qualité demandée, c'est quoi aujourd'hui ? C'est RE 2028 par les clients ? Alors, aujourd'hui, on est quand même beaucoup sur du 25, parce qu'à partir de janvier, de toute façon, ce sera obligatoire. On n'a pas entendu tout le discours du Premier ministre. On a cru comprendre qu'il ne changeait pas cette donne-là. Donc, la RE 2025 va s'appliquer à tous. Ça veut dire que la construction traditionnelle va prendre quasiment 7% d'augmentation de coûts par rapport à de la RE 2020. Alors que nous, on produit tous en bois, les uns et les autres, en RE 2020 2028. Donc on a vraiment cet avantage-là aujourd'hui. La plupart des aménageurs demandent déjà de la RE 2020 2028. Beaucoup de bailleurs le demandent déjà dans les programmes. Et les promoteurs sont quand même aujourd'hui donneurs d'ordre et de plus en plus demandent ce niveau-là. C'est y compris derrière une promesse d'économie d'énergie pour leurs clients. Très bien. Marc Dorbin sur le. Oui, je veux bien réagir parce qu'on parle beaucoup de logement, mais évidemment, le hors-site fonctionne également pour la partie immobilier d'entreprise. Hein. Donc, si on raisonne en partant du logement, on a vu résidence étudiante fonctionner également très bien sur la partie hôtelière. Et donc, beaucoup de développement immobilier en hôtel hors-site. Et puis, on travaille aussi beaucoup sur les questions de logistique à étage. Notamment en milieu urbain dense, oui. Où il faut développer également rapidement, avec des modes constructifs qui ne créent pas de nuisances pour les chantiers. Alors là, pour le coup, en plus, en logistique à étage, il peut y avoir beaucoup de béton et beaucoup de toupies si on ne le fait pas hors site.
Et là, on fait des immeubles dans leur site complet avec 2, 3, 4 niveaux d'ateliers à étage. C'est ce que vous avez fait bas carbone, à Vitry qu'on a, ce qu'on a fait à Vitry, à Ozardon, avec un client qui s'appelle Sogaris. On a livré en janvier 30 000 m² aux Ardoines en logistique à étage. Donc ça fonctionne également comme ça. Et là, on est plus dans une approche avec des catalogues qui sont des catalogues de Lego plus petits que les modules 3D dont on vient de parler, qui sont plutôt des catalogues 1D, 2D, avec des 3D, mais des 3D très localisés de type sanitaire. Salle de bain, on a parlé, puisque c'est là où il y a beaucoup de techniques et où ça vaut le coup, effectivement, dans l'immobilier d'entreprise, hein, de réaliser ces objets en 3D, en usine. Et puis ensuite, on fait du 2D en façade, en plancher, en poteau-poutre également, et en 1D, et on assemble sur chantier. Donc ça permet de gagner énormément de temps également. Vous arrivez à quantifier le gain de temps, justement Le gain de temps traditionnel. Oui, enfin, on gagne entre 30 et 50% très régulièrement sur nos chantiers. Parmi les records qu'on fait là, en ce moment, on livre, on réalise pour Stellantis le Green Campus. Donc, ils réunissent toutes leurs équipes d'ingénierie. On a parlé d'automobile récemment à Poissy. C'est 40 000 m² réalisés en une vingtaine de mois, là où une construction traditionnelle l'aurait fait en 36. Donc on gagne beaucoup, beaucoup de temps et les chantiers sont nickel. Enfin, la maire de Poissy nous dit, mais en fait, on n'a aucun problème, on ne voit pas de chantier, personne ne se plaint. Donc il faut vraiment mesurer ça pour un élu et pour des parties prenantes, hein, le gain que ça représente. Donc on réalise ça très bien, y compris en milieu urbain très dense, avec des contraintes architecturales et de parcelles importantes. Pascal Chazal, justement, vous parliez justement de ce catalogue. On peut l'imaginer à d'autres types de bâtiments que le résidentiel. Aujourd'hui, les chambres d'étudiantes, mais demain, peut-être, effectivement, la logistique, du tertiaire. Alors, en fait, bien sûr, ce qu'on cherche à démontrer avec Zen Modular, c'est qu'on peut aller chercher des produits, des composants sur catalogue et qu'on va gagner beaucoup de temps en conception de projets. On va gagner beaucoup de temps en réalisation, on vient d'en parler. On va aussi gagner beaucoup de qualité et on va peut-être réconcilier le monde de l'industrie et le monde du bâtiment. Le monde de l'industrie, c'est un monde qui n'a pas peur des mots qu'on a déjà utilisés quelquefois, qui sont les mots standardisation. C'est parce que dans l'industrie, on a standardisé qu'on a aujourd'hui des produits juste incroyables, tous, en tant que consommateurs. On utilise des téléphones qui sont juste hallucinants, qui sont design efficace, on a des voitures incroyables, des vêtements, des chaussures, tout ça c'est fait de manière industrielle. Il y a juste le bâtiment qui n'a pas fait cette révolution-là. Et les industriels, s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils ont accepté cette notion de standard et parce que finalement ils ont accepté l'idée que on fait mieux quand on répète les choses. Et donc ils utilisent pour ça les outils, hein, du lean manufacturing et notamment l'outil qu'on va appeler d'amélioration continue, qui vont faire que les produits vont d'année en année, et on peut tous le constater, être de plus en plus qualitatifs et de moins en moins chers. Et le bâtiment, on le sait tous, il fait plutôt le contraire. On a du mal à tenir la qualité et puis on a plutôt tendance à augmenter nos prix. Donc je pense qu'avec Zen Modular, c'est ce qu'on veut essayer de montrer, qu'on peut accepter cette idée de standardisation, pas du bâtiment, ça n'a aucun sens, mais de certain nombre de composants. Donc on commence par le composant ultra simple qui est la chambre d'étudiants. On a déjà développé la chambre d'EHPAD parce qu'il y a des très gros besoins dans le monde des seniors. On a également travaillé sur la chambre d'hôtel. Et puis quand tout le monde aura bien compris que plutôt que de réinventer à chaque fois une chambre étudiante spéciale pour une nouvelle résidence, je peux aller chercher dans le catalogue et poser sur mon plan, en fait, on sera capable de faire la même chose pour faire du logement. Après tout, un T2, ça peut être un objet qui a été extrêmement bien pensé. Je vais chercher le T2, je le pose sur mon plan. Le T3, je le pose sur mon plan. Et puis, on peut faire des salles de classe. Et puis, on peut faire des hôpitaux exactement de la même manière. Mais on commence par un objet ultra simple, qui est la chambre d'étudiants. Ouais, d'accord. Et restez bien. Juste après, on aura les exemples internationaux avec notamment des chambres d'hôtel, hein, qui sont montées justement en construction modulaire off-site. Julien, justement, je crois qu'on a un autre exemple que vous nous avez montré. Ça, on l'a vu. C'était celui-ci. C'est ça. Alors, on a Evodia à Boulogne, c'est ça. Est-ce que vous voulez nous en parler, nous dire deux mots? Oui, en fait, moi, je voulais mettre en avant ces deux projets parce que ces deux projets sont les deux premiers bâtiments de France
à générer des crédits carbone. Vous savez sûrement qu'en début d'année, l'État a fait évoluer la réglementation et a reconnu comme stock carbone long terme le bois de construction, à l'équivalence en fait des actions de reforestation et des champs de Posidonie. Alors c'est assez original, mais c'est une vraie victoire parce qu'on parle énormément dans ce qu'on fait aujourd'hui, nous, de valeurs vertes, parce qu'on est convaincu que peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'on fait coûte plus cher, mais comme il a plus de pérennité, qu'il a été construit plus vite, qu'il a plus de qualité d'usage en termes de performance thermique et plus de qualité environnementale, il a une valeur verte intrinsèque forte et qu'aujourd'hui, on a objectivement un peu de mal à valoriser à sa juste valeur parce qu'on est en période de crise, c'est une crise de pouvoir d'achat qui oblige en fait tout le monde à contracter ses prix de revient. Ben ça, c'est une belle victoire parce qu'on a pu enregistrer 2500 tonnes de carbone séquestrées qui génèrent des crédits carbone. Alors aujourd'hui, une tonne de CO2 du bâtiment, elle vaut à peu près 50 €, hein, donc ce n'est pas bouleversant dans l'économie d'un projet. Mais l'ADEME prévoit que déjà d'ici 2030, ça vaudra 250 €. Donc on ne va pas faire de la spéculation autour de ça, mais je pense que je voulais montrer ça parce que ça participe à la valeur verte des bâtiments. Je voulais aussi montrer ça parce que le bâtiment qui est à droite, Stellata, est un bâtiment sur lequel on a expérimenté une nouvelle marche dans le hors-site, c'est l'utilisation de balcons hors-site créés en acier recyclé. C'est ArcelorMittal qui a développé ce produit. Et donc, on est content de ça parce qu'en fait, ça montre aussi les progrès pas à pas qu'on fait d'opération en opération. On maîtrise de mieux en mieux, je considère aujourd'hui, la 2D. On est en train d'y plugger des balcons préfabriqués. On réfléchit aujourd'hui, alors on parle de 5D, parce qu'on se dit bah, c'est la combinaison de certains éléments en 2D avec certains éléments en 3D, ce dont tu parlais, Marc. Et quelque part, en fait, on voit, hein, chaque projet nous fait progresser. Moi, je le dis aussi très clairement, je n'ai aucun problème à vendre la même salle de bain à un particulier à Bordeaux, à Lyon et à Paris. En fait, les besoins sont les mêmes et ce n'est pas un secret. Chez les promoteurs, généralement, on travaille avec 3 gammes, éventuellement 4 quand on fait du haut de gamme. Donc, on est prêt, nous, à trouver les déclinaisons. Et c'est vrai que là, bah, on attend aussi des industriels parce qu'on est chacun un peu dans son métier. Mais nous, on peut prescrire et puis on peut donner de la visibilité, hein, comme on a fait pour le bois. Hein, quand on s'est mis sur le marché, on a annoncé aux industriels les besoins que nous allions avoir sur les années. Et donc, c'est comme ça qu'il y a un an, j'ai signé un contrat avec Pifto et Stora Enso pour 125 000 mètres cubes de commandes de bois à horizon 3 ans. Ben, je vous assure que quand on arrive à organiser des choses comme ça, ça donne de la visibilité aux industriels et ça donne de l'élan. Et nous, on est prêts en fait, à rentrer dans ces collaborations avec les industriels dans deux objectifs. Oui. C'est améliorer la qualité de nos bâtiments au service du client et au service de l'environnement. Marc Dommage, justement, tout à l'heure, vous nous avez parlé de cette visibilité qu'il fallait peut-être dès le début du projet, avant le permis. Est-ce que aujourd'hui, si c'était adopté à grande échelle, on a les capacités de production nécessaires? Comment on peut mieux organiser la production aujourd'hui? Oui, je crois qu'on a la capacité de production. Nos usines sont pas full. Hein, donc on a encore des réserves de productivité dans nos usines. Et un, elles ne sont pas full, et deux, elles doivent pouvoir s'améliorer en productivité. Puisque évidemment, plus il y a de produits dans les usines, plus elles sont capables d'en faire dans le même périmètre. Donc il y a de la place. Il y a aussi de la place pour du développement industriel, ce qui est aussi intéressant. Hein, réindustrialiser les territoires, avoir des usines au plus proche des bassins de population, c'est clé. J'en profite aussi pour dire que dans les usines, on a un taux de féminisation qui est assez élevé, bien plus élevé que sur les chantiers. Et ça, c'est très intéressant également en termes d'emploi et en termes de mixité, en termes de qualité, en termes de bon fonctionnement et d'amélioration continue. On le constate dans nos usines, parce que cette mixité, elle nous apporte beaucoup. Donc oui, non, il y a de la place. Le sujet n'est pas de se poser la question de savoir est-ce qu'on a les usines. On a les usines. Et le temps de développement fera qu'on fera monter en puissance les usines sans aucune difficulté. Donc on a les usines, on a les talents, la main-d'œuvre, ça attire aussi. On a les usines, on a les talents, on les forme, on les développe. Le temps de développement des projets fait qu'on a aussi le temps
de monter en puissance. Hein, de monter en charge. Un projet immobilier, ça prend un peu de temps hein, pour obtenir un permis. Bon, oui. On aimerait que ça aille un peu plus vite de temps en temps, mais la réalité est ce qu'elle est. Donc, on a le temps de monter en charge. Pascal. Oui, Fabrice, je voudrais bien rebondir là-dessus. En fait, on est dans la construction hors site, on est à mi-chemin entre une activité immobilière qui vit sa vie hein, avec des permis de construire, des financements, etc. Et puis une industrie qui a des investissements, qui a des outils. Et ce qui est extrêmement difficile, c'est d'arriver à avoir des industriels qui ont finalement de la vision fiable. Et ce qu'on constate en général, c'est que les industriels, ils ont des activités qui sont extrêmement cycliques. Parfois, quand on va les visiter, on voit des usines qui sont des véritables ruches. Et puis, ça vrombit de tous les côtés. Ils ont trois affaires en même temps. Ils aimeraient bien en avoir que deux, mais il y en a trois. Ils sont obligés de prendre des intérims, des CDD. Ça désorganise tout. C'est compliqué, mais il faut répondre à l'activité immobilière. Et puis, on retourne les voir deux mois plus tard. Et puis là, l'usine, elle est vide. Elle est vide, ils sont entre deux projets et les gens sont chez eux au chômage technique et bien sûr, c'est un désastre financier. Et donc, avec Zenmodular, on essaie quelque part d'être aussi innovant à ce sujet-là. On aurait pu imaginer, avec Zenmodular, créer une giga-factory pour produire des chambres d'étudiants en pagaille. Ça n'aurait pas été bien d'abord parce qu'on aurait situé cette usine quelque part et puis on aurait fait du transport sur toute la France pour pouvoir approvisionner, ça c'est pas bien. Non, on a voulu s'appuyer sur les industriels en place. Donc on a créé un partenariat avec 4 industriels qui ont leur activité, qui ont leurs clients, qui ont leur manière de faire des modules et puis on leur a proposé d'être nos fabricants. Mais on a eu une exigence, c'est finalement, qu'ils apprennent à fabriquer nos chambres, tous exactement de la même manière et avec exactement le même système constructif, à tel point qu'on ne doit pas faire la différence entre une chambre qui va être fabriquée par Pierre, Paul ou Jacques, et qu'on va être capable d'assembler ces chambres dans le même bâtiment, peu importe où elles soient fabriquées. Et donc, nos industriels, ils sont au nombre de 4, ils s'appellent Haut-Savoie, il s'appelle Modulem, il s'appelle Alpha Module, et puis Habitat 3D. Donc il y en a un qui est dans le nord de la France, il y en a un qui est à Toulouse, et il y en a deux en Rhône-Alpes. Et donc ils ont tous accepté l'idée de produire nos modules exactement de la même manière. Et ça, c'est très intéressant pour eux, parce que ça va leur permettre de pouvoir se répartir le volume de travail. Et quelquefois, ben, je manque un peu de boulot, coucou, je suis là. Au contraire, j'en ai trop, est-ce que vous ne pouvez pas m'en prendre un petit peu? Et pour ça, il fallait imaginer un système constructif qu'ils soient tous capables de réaliser. Et donc là, on a travaillé avec un système constructif qu'on appelle, nous, interopérable. C'est-à-dire que les modules sont fabriqués par différents acteurs, mais peuvent s'assembler entre eux. Très intéressant. Luc Lebeau, alors, je remets le petit film, parce que je l'aime, je trouve ça très bien. Ceux qui ne l'auraient pas vu, l'usine, elle est pleine, elle marche à plein régime ou justement, il y a justement ces cadences qu'il faut lisser, comme disait Pascal. Non, c'est exactement ce que dit Pascal. D'abord, bon, évidemment, parce qu'il connaît bien le sujet et qu'effectivement, on a aujourd'hui un vrai enjeu. Et aujourd'hui, sur une chaîne de production, Julien évoquait tout à l'heure l'automobile, il évoquait par rapport à la carrosserie avant d'avoir pensé au moteur. Et c'est exactement la même chose chez nous, avec de vrais enjeux. On est passé en 2D, on est passé en 2.8 sur la 2D, donc toute la partie mur et façade à ossature bois au mois de janvier. On a mis énormément de temps à passer en 2.8 pour les questions de recrutement qu'évoquait Pascal tout à l'heure. On est passé en 2.8 donc sur la 3D, sur la partie module, pour répondre à ce projet-là le 10 juin dernier. Et quasiment 6 semaines après, il a fallu repasser en 1.8 pour la fin du mois de juillet. Voilà, donc on a quand même des enjeux. Aujourd'hui, un outil industriel, avec ce que coûte une usine, derrière, il doit pouvoir trouver au moins en 2.8 sa stabilité de programmation, sa stabilité de production pour pouvoir aller chercher les prix qu'on évoquait tout à l'heure. C'est exactement ce qu'évoquait Pascal, avec une donne qui reste essentielle aujourd'hui, qui est celle de l'accompagnement. Marc évoquait la féminisation dans les usines. C'est vrai pour chacun des acteurs et c'est plutôt une bonne chose. Pour autant, même si les uns et les autres, on est en train de recruter sans qualification, sans formation, les compagnons qui viennent compléter nos équipes de menuisiers, de charpentiers, d'électriciens,
on forme directement, on accompagne. Je pense qu'on a des vrais enjeux derrière dans la filière, y compris à un moment donné, à défaut d'être diplômant, au moins d'être qualifiant et d'accompagner sur des diplômes et de pouvoir mettre des compagnons ensuite sur la production de chantier. On a des rémunérations qui sont plutôt correctes hein, sur l'ensemble de la filière. On arrive à accompagner comme il faut nos collaborateurs. Mais c'est aussi la manière dont on arrive à se projeter sur le long terme qui va faire toute la différence. Et donc ça, c'est la manière dont la filière va s'installer, va trouver ses clients, va trouver sa quantité de production qui va nous amener à ça. Oui. Bon, on a abordé beaucoup de choses durant cette table ronde. Effectivement, l'organisation, on l'a compris, la prévision dans le temps, bien anticiper, peut-être se coordonner, avoir des standards ou, comme vous le disiez, Pascal, une interopérabilité. En tout cas, je voudrais vous remercier, chers amis. Je pense qu'on peut les applaudir. Julien Pemzec, Mardoma, Luc Lebeau, Pascal Chazal. On va continuer dans un petit instant avec des exemples à l'international. Ça sera dans quelques minutes le son de changer les tables. Un grand merci à tous pour votre attention. Merci. À tout de suite.